Et ta pété, c'est pas ta tu m'inciter le joueur. Et alors? Abandonne tes tiens, moi. Oui. Je te frappe ici. Je te frappe ici. Et vois tes yeux, vous frappez ici. Oui, au revoir. Va à ton papa, il fait folie encore. C'est moi qui t'ai m'inciter. Je ne sais pas quoi te frapper. Et vois tes yeux, vois. Mais qui t'a frappé? C'est un jeune. Hein? C'est un jeune, le voilà là-bas. Un malheureux qui n'a pas de père comme ça, là. Il frappe ma fille. Hein? Tu sais comment je me suis arrangé pour faire celle-là? J'ai eu des problèmes, mon Dieu. Ça, c'est une, c'est un enfant de pharmacie. C'est cartouche. Oui, là, c'est malheureux, là. J'en ai la paix, la canne. Hé, petit. C'est toi qui as frappé ma fille? Oui, c'est moi qui l'ai frappé. Mais pour quelle raison? Elle m'a incité. Elle t'a incité comment? Elle m'a incité chien. Mais alors, tu veux pas chier? Hein? Je suis pas chier. Tu veux pas chier? Ton père n'est pas chier? Tu n'es pas chier? Ton père va me faire quoi? Mon père va te frapper aussi. Moi? Tu mets tout au courant de moi? Oh. Hein? Maintenant, mon père va te frapper aussi ta voix. Imbécile, mal élevé. Enfant sans père. Ma fille, allons-y. Où est ta maison là? Ah, le massif, c'est lui qui a assis. C'est lui qui a assis. C'est qui ça? Lève-toi, lève-toi. Hey, lève-toi. Laisse-la, non, laisse. Laisse. Viens, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Yeah! Mais toi, c'est pourquoi tu le... Non, il est mal éduqué. Tu le connais celui qui a frappé mon enfant. Hein? Je l'ai frappé, je l'ai touché, moi. C'est vous qui frappez mon enfant comme ça? Ah bon? Hein? Mais c'est quoi ça? Vous frappez les enfants d'autrui comme ça? Attention, ma fille. Hein? Attends, mais dis donc, hein? C'est à moi vous parlez comme ça? C'est à vous, je parle. Ah bon? C'est à vous. Ah, il m'a blessé. Ça veut dire quoi ça? Ah, il m'a blessé. Avec moi? Il m'a blessé. Il m'a blessé. Ouh là là. Il m'a blessé. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Regarde comment je saigne comme ça. Mais ça, ça peut pas se finir comme ça. Hein. Ça peut pas se terminer comme ça. Il va taper qui? Allez, tu... Allez. Mais j'ai dit moins. Ouais. Mais dans ce quartier, on peut plus respirer. Pourquoi? Il y a un monsieur là. Son malin là, c'est pas petit. Un monsieur? Il veut même pas te voir. Il s'habille bien ou bien? Non, non. Enfin, moi, je l'ai pas encore vu, mais on dit même si tu es avec une fille, ouais, il t'arrête et il te frappe. Dis donc ce que tu dis là, faut pas soulever mon cœur. Hein. Je lui ai dit que, en tout cas, enfin, ceux qui m'ont dit ça là, moi je leur ai dit que nous on a notre ointe. C'est lui qu'on connaît dans le quartier. Moi? Comment ça? Ou bien quand il est venu, il n'a pas pris des renseignements. Ça, il n'a pas pris des renseignements. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai, il n'a pas pris des renseignements. Mais les gens, même quand tu appelles une fille, on dit, ah là, attends, ça là, tu vas voir chaud, hein? Ce que tu me dis déjà, ça soulève mon cœur. Tu vois que je ne regarde pas bien le match là. Hein. Attends, je vais tout faire. Ouais. Je vais tout faire pour faire sa connaissance. Je vais vous manger avec sauce et grain. Vous tous. Pourquoi dans le quartier, il n'y a pas bon joueur, man? Vous m'amenez à cuiner comme ça, vous dites que c'est lui le patron. C'est lui le patron. Bonjour, monsieur. Bonjour. Attends, bonjour. Juste là. Ah, viens voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Viens voilà. Bonjour. Ah, voilà. Mais t'as eu un accident. Est-ce que tu m'écoutes même? Mais comment elle est blessée? Hey. Mais tu t'occupais pas de moi à cause des amis. Mais c'est ça que tu es là. Tu sais, c'est un jeu de médication. J'ai fait un tour même chez toi à la maison, je t'ai pas vu, on m'a dit que tu es venu ici. Mais c'est quel genre d'accident? Mais tu as eu quoi? Je te dis, le monsieur m'a blessé comme ça, je sais pas, il a pris un bois ou bien une machette pour me corcher le front, je sais pas. Mais il est où? Moi je connais tes capacités. Je suis venu te voir vraiment pourquoi on aille voir ce monsieur. Il faut qu'on le corrige. Alors, donc, j'ai dit. Comment ça? Donc, quand il est venu dans le quartier, il est venu dans le quartier, ça fait combien de temps? Moi, est-ce moi-même, je le connais. Il paraît que c'est un faux type. Les gens même le connaissent. Mais celui-là, même. Mais c'est pas de lui que tu parlais là. Mais peut-être... Non, mais c'est un palabro même. Il est dans le quartier, les gens le connaissent. Hein? Ça, il sait qu'il m'a blessé avec toi. Alors, maison, je vais. Pourquoi un problème d'enfant, on ne peut pas te blesser comme ça? Vraiment, on ne laisse pas. On laisse pas. Je laisse pas. Moi, je pense que tout ce qu'on a dit là, ouais, je compte sur toi. Ah, mais je compte bien, sur toi. Est-ce que tu sais que c'est moi-même, je suis arrêté ici? Est-ce que moi, je te connais pas? Hein? Mais tu connais chez lui, non?
Non, je connais. Bon. Je connais, on m'a montré la maison. Dans 10 minutes, tu m'attends chez toi, je viens. Il m'envoie mon gars. Okay. Ça veut dire quoi ça? Dans le quartier, là, tout le monde veut devenir maître. Non. Je vais lui apprendre ce que je suis. Ah, il est parti? Bon. Ouais. Il m'envoie mon type là, parce que ça, je ne laisse pas. Tu vas où? Je m'envoie mon gars là. Ça, tu ne le connais pas. Ah, donc tu veux aller venger vieux foulard vraiment? Regarde-moi ça. Moi. En tout cas, non, mais Basso, je ne te reconnais plus. Hein. Non, j'ai dit. Mais donc, tonton, au damier là, tu as dit quoi? Ouais, j'ai tout suivi, mais calme-toi d'abord, je vais te parler. Tu vas me parler quoi? Parce que ce que vous voulez faire là, ouais. On appelle ça violation des domiciles. Oh, la loi défend ça. Quelle loi? Hein? Quelle est la loi? Est-ce qu'il y a la loi dans le pays là? Dans la ville là, il faut chercher sa raison. Mais quelle raison? Mon cher, ton. C'est-à-dire, nous tous, on va à l'église. Ton, on va à l'église, donc il faut tolérer ta parole de prêtre là. Ouais, mais il faut être toléré. L'abbé là, moi je ne suis pas dedans. Moi, mais au départ j'étais chaud, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit non. Non, c'est que tu appelles. On est tous des chrétiens. Oh, moi j'ai un chrétien là. D'ailleurs, on dit au paradis, il n'y a plus même de place là-bas. Oui, mais dans la vie, il faut chercher sa raison. Hein? Et toi, tu dois chercher ta raison. Mais c'est la raison que je cherche là. Et je veux lui montrer qui je suis. Ton affaire, je ne suis pas dedans. Pardon. Moi, je m'en vais. Bon, si tu le tues. S'il est mort, il est mort. Si tu le tues. Qui n'est jamais mort. Mais c'est toi à mettre en prison. Tous mes parents sont morts. Moi, je m'en vais là-bas. Je m'en vais. Et tes enfants? Moi, je m'en vais. Si les enfants, là, ils sont morts. Ah! C'est pas possible. Sabounki, tu viens? C'est ce monsieur G. Tu! Double attaque sacrée! Abchagi, le pied droit derrière, et puis sacrée! Ah, reprenez, que choc! Abchagi, que! Il n'y a plus de points là-bas. Comme ça, regarde-moi, mon Dieu. Là. Hup. Rose. Hup. Hup. Rose. Yeah. Mais où je t'attends, viens. C'est par ici. Ah, mais je ne sais pas. Oh, mais j'ai dit, suis-moi. Oh. Attends, je vais mettre mon truc là d'abord. On est plus loin, non? Non, on est arrivé. Ah, bon, d'accord. Laisse-moi mettre mes choses là. Parce que celui-là, c'est qui cherche là. Si moi, je ne lui ai pas montré, c'est pas moi. Il faut bien le mettre, hein. Ah. Mais c'est toi, tu ne me connais pas. C'est fini pour lui. J'ai dit. Ouais. Il faut bien le placer, hein. J'ai dit, c'est fini pour lui. Celui-là, aujourd'hui, là. Il va nous entendre. Son petit malin, là. Il faut bien le placer. Si son petit malin n'est pas fini. S'il pouvait rester même sans bouger, même, c'est bon. Bon, l'amener à l'hôpital. Bien fait pour lui. En tout cas, c'est lui-même qui aurait mérité. Vas-y. Il va pour ces garçons. Bon, ben, les gars, je pense que vous avez vu quelques attaques défense là. Bon, ben, retenez ça bien. Donc, dans les attaques défense, il faut rester rigueur. Vous avez compris? Et quand vous faites un mouvement de façon femme là, c'est pas bien. Chez moi, c'est la rigueur. Donc, nous allons passer maintenant à la casse des briques. Bon, on est arrivé. C'est ici. C'est ici. Allons là-bas. Allons. C'est là. Ça, il va me voir. Voilà. Il va me voir. Où il va? En tout cas, le voilà. Le voilà. C'est lui. C'est lui qui est au milieu là. C'est lui là, c'est lui. C'est lui là. C'est lui. Ah, il faut l'attaquer. J'ai dit c'est lui là. C'est lui. Non. J'ai dit c'est lui. Tu dis quoi? J'ai dit c'est le voilà, le voilà. C'est lui. Il faut l'attaquer, c'est lui. Attendez, c'est lui. Donc c'est lui. Ouais.
C'est ton frère que tu as envoyé pour me frapper là? C'est lui? C'est lui. C'est lui? Qui? Monsieur, vous êtes venu chez moi? Non, mais moi. Ça peut me frapper? Moi, en tout cas, je suis venu chercher maison. Vous cherchez quoi? Je cherche maison. Bon, monsieur, il n'y a pas de maison ici. Mais ton frère allait te chercher pour me frapper, n'est-ce pas? Moi? Hein? Moi, je ne suis pas dans l'affaire de palame. Sortez d'ici! Non! Et accompagnez-le rapidement! Attends, dis-moi, j'ai dit que je fais palame. Mais, mon cher, tu m'as honni, hein? Je t'ai honni comment? Ça, tu m'as honni même. Je ne peux même plus compter sur toi prochainement. Tu m'as honni? Tu ne connais pas les droits. Mais pourquoi tu m'as encouragé à venir? Est-ce qu'il y a un droit? Tu peux quitter chez toi, aller faire palabre ailleurs. Donc, c'est chez lui, là, tu connais droit. Mais il fallait me dire ça avant. J'allais chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que j'étais énervé que je suis vraiment, venu. Ça, ce n'est pas la peine. Non. Mais ça, là, devant un homme comme ça, là, tu ne peux pas le gifler. Hein? Tu n'as qu'à le gifler comment? Tu ne peux pas le gifler. D'ailleurs, moi, hein? Je suis là, moi, je suis un chrétien. Mais ça, il fallait dire tout ça là. Ouais, il fallait me dire tout ça là. C'est maintenant que je serais allé chercher quelqu'un d'autre. C'est maintenant que j'ai réfléchi. Il faut brûler sinon, tout ça à la maison. Non, non, sinon, mais... ça n'a même plus sa raison d'être. Pourquoi? Ça n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Regarde-moi ça. Mes vieux foulards, vraiment, tu n'as même pas pitié de l'homme. On n'a pas dit on envoyait quelqu'un. Mais moi-même, devant mes deux yeux comme ça là, Lucas, même brique, qu'on appelle brique, on construit une maison là. Il casse ça, quoi, devant moi. Et tu me dis, il faut foncer. C'est maman, tu veux ou bien quoi? Là, il va me frapper cadeau devant ces gens-là. Et je vais dire quoi? En tout cas, moi, où je suis là, même si on dit on aime pas là, c'est pas sur ça là. Hein. Comment ça? C'est pas moi. Un gars comme ça. On peut l'appeler. Viens, mon cher. Je vais chez moi tout décourager là. Pourquoi? Tu sais, d'autres types là. Ouais, mais il devait aller te venger là. Mais mon cher, c'est même pas la peine. Ah, mais si tu as affaire désormais, ça s'est pas bien passé. C'est même pas la peine de compter sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mon cher, on est rentré chez le monsieur. Gars, bon, enfin, c'est un maître de karaté. Ouais? Ouais, il est maître de karaté. Ah, c'est un maître de karaté? Ouais, le monsieur là, il a cette noix même. Mais j'ai dit à mon ami de l'attaquer, il ne peut pas. Quand même quelqu'un que tu vas venger, même si le type... Devant nous, le gars, il a cassé une brique. Mon frère dit, ici, il n'y a pas maison à louer ici. J'ai dit, mais voilà le type, il faut l'attaquer. Le type est habillé à chose de leur karaté, là. Et kimono, là. J'ai dit, bah, c'est celui que tu as envoyé pour te venger, là. J'ai dit, mon cher, attaque le type. Il dit, non, 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 lui, il ne peut pas. C'est moi qui a dit, il cherche maison. Je suis découragé, mais où je suis, là. L'homme sur lequel tout le monde compte dans non, le quartier. Non, même pour le voir, même dans le quartier, même, je vais me cacher. Mais il faut dire, on est mort. C'est même pas la peine. En tout cas, si tu as affaire désormais, tu dis tu vas compter sur lui. Va ailleurs, mais pas avec lui. Mon Dieu, je l'ai laissé là-bas. Moi-même, je lui avais dit ça. Mais il n'a pas voulu m'écouter.